salut les rocketeurs, c'est Gaspo, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue dans l'épisode 62 de la série Road to 2000mmR. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hier, j'ai joué en live sur le compte Gaspo Road to et je suis retombé 1824mmR. Donc j'ai perdu quelques points. Mais ça va parce que ce matin, j'ai fait un live aussi et j'ai réussi à récupérer quelques points. Voilà, 1900, c'était la petite blague que je voulais vous faire. Voilà, 1900mmR en SSL. Il ne reste plus que 100 points à aller chercher pour avoir le 2000. Je vais voir comment se passent les deux prochains épisodes. Mais si je vois que je me rapproche du 1950, j'arrêterai de jouer sur le compte en live pour vraiment faire les dernières games tout le temps en vidéo. Parce que j'aimerais bien quand même que le passage 2000mmR, il se fasse en vidéo et pas en stream. Voilà. 1900mmR, espérons qu'on gagne des points dans cet épisode, ça me ferait chier d'avoir monté tout ça pour tout perdre aujourd'hui, donc j'espère que c'est pas ça qui va se passer. C'est parti pour la game 1. Allez, game numéro 1, on est avec Exopic contre Wii Sniper et Shero. Regardez, des games de 1950, ça joue au jeu dans cette game. Et j'ai raté le pad, du coup j'ai fait un mauvais kick-off, j'espère que je vais pas me faire punir avec un but. Non, ça va, je vais pas me faire punir, j'ai l'impression. Mon mate veut l'avoir, ok. J'ai clear, je peux peut-être l'avoir s'il rate. Non, il rate pas. Allez, mon mate. Je pense qu'il va me bum, faut que je fasse gaffe. Ouais. Bon, le début de game se passe mal. Mais regardez, tout simplement, il n'y a plus qu'à marquer derrière. Voilà. C'est open. Tout simplement. On se fait dominer pendant tout le début de game. On a une action, on marque. Donc ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Allez, on continue comme ça. Oh, il a mal kick-off. Putain, ça aurait été bien qu'on mette un kick-off goal là. Attendez, c'est pas fini le kick-off. Oh non. Vas-y, sur moi, sur moi. Ah, dommage qu'il joue perso. Il va se faire contrer, mais je l'ai derrière. Je bump. Oh, pourquoi il a pas marqué? Dommage. Dommage, ça aurait été un bon but à marquer ça. On va l'avoir, gros clear. Bing. Voilà. En plus, l'adversaire a fait un peu nimble, j'ai l'impression. Ah, j'ai mal joué là. J'aurais dû tirer backboard direct quand j'ai vu que j'étais en 1v2. Ouais, bien joué ça. On va essayer de la lever. Faudrait que mon mate la touche. Parfait. Parfait ce que fait mon teammate. Ça fait plaisir de jouer des games 1950 là. C'est vraiment des games plus agréables à jouer. On sait qu'on a du follow-up. J'hésite à y aller, mais je vois que mon mate saute, donc je vais pas y aller. Je vais surtout clear sur le côté pour pas qu'il puisse tirer derrière et que j'ai le temps d'aller chercher des ressources. Ok, on se rapproche. Merde, j'aurais pas dû y aller. Ouais, normalement, c'est pas dangereux. Je pense que c'est pas dangereux. Ouais, je m'en doutais qu'il y avait plan B. Je vais prendre ce boost mid et on va suivre l'action, on va voir ce qui se passe. Ouf. Je pense que je l'ai first, non? Ok. La démo m'a un peu surpris, je vais fake et bump. Vraiment, on met là. Ah, il l'a, il l'a. Ok, on va voir ce qui se passe. Je vois qu'il va me rush, donc je tire. J'essaie de la mettre mid un peu. Vraiment, on met à free ball. Il me fait peur, des fois, il me fait peur. Pas dedans. Ouais, beau clear. Je prends leur boost mid. Mon mate va peut-être pouvoir l'avoir. C'est bien ce qu'il fait. J'hésite à y aller là, mais c'est risqué. Ouf. Ok, putain, il m'a fait peur. L'autre a essayé de me bump. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas sauté direct. Oh, open. Ah, il a pas osé. Il a pas osé tirer. Ah. Il m'empêche d'y aller. Bon, ça va, il me dit désolé, donc c'est pas de problème. Je bump. Normalement, mon mate a free ball grâce au bump. Ouf, j'ai eu peur. Hein. Le rebond était vraiment imprévisible. Ok. Il faut que je joue un peu plus agressif. Voilà, comme ça. Oh, j'ai annulé une rule number one. J'espère que vous m'en voulez pas. Normalement, la règle, c'est de jamais annuler ce genre de choses. Ok, je réussis à le cut. C'est peut-être bien pour mon mate. Non, il s'est fait cut aussi. Ok, là, c'est compliqué. J'ai pas de bouche. Je suis loin de l'action. Mais il va sûrement me la donner, le Shiro, là. Ouh, le reset est excellent. Ah, ça m'a surpris. Ok. C'est pas fini. C'est but ou pas? C'est but? Let's go! Putain, j'ai fait une erreur, mais j'ai pas été puni. Mon mate me hard carry. Hein. Là, vraiment, je sais pas si vous le sentez. Mais mon mate fait absolument tout. J'ai juste à assurer les arrières, à le laisser jouer. Ok, parfait. Le bump est excellent. On va gagner du temps. Il va aller chercher ce boost-là.
On va juste prendre un contre. Ou un pinch en vrai. Hein. Allez, open. Voilà, pour le coup, c'est moi qui ai géré là. Pour le coup, c'est moi qui ai géré. Ils ont pas réussi à anticiper ce que j'allais faire. Là, il va sûrement tirer direct. Allez, mate. Ouais, bien joué. Je l'ai fait jouer. Mon mate récupère la balle. Il rend pas la balle. Ça fait trop plaisir de voir ce genre de choses. Des choses qu'on voit pas trop en GC3. Des gens qui rendent pas la balle. On va essayer de la laisser. J'espère qu'on mate là. Ouais. J'ai espéré qu'il saute, mais il a laissé jouer, je comprends. Il a eu peur. Je peux pas trop toujours compter sur lui aussi. Hein. Faut que je fasse de meilleurs moves. Allez. Pas de kick off goal, pitié. Pas de kick off goal. Je vais prendre ce boost là. Putain. Je m'en veux tellement. Je pense que j'aurais pu l'avoir cette balle. Ouais, le ceiling est vraiment parfait. Par contre, il a trop bien joué l'adversaire. J'ai tellement pas de chance. Je pense que 9 fois sur 10, il nous faisait une passe. Mais là, le ceiling shot est tellement parfait que ça n'a pas été le cas. Allez, je le bump. Comme ça, on met à first la balle. Nice! Let's go! Je vais mettre belle passe. C'est bien, on a réussi à recomeback. Magnifique passe. Ok. Ok, mauvais kick-off de leur part. Parfait. Open. Oh là là, mon teammate. Excellent. Let's go. Et Sarah Kid en face. Eh bah écoutez, une première game bien maîtrisée. Mon mate m'a hard carry. Et on se laisse porter, on est content. 1913 MMR. Allez, on continue. On va essayer de mieux jouer dans la game 2. C'est le plus important. Allez, c'est parti pour la game 2. Jingle. Faut pas que je fasse comme d'habitude. C'est-à-dire, dès que je commence à être un elo où j'ai l'impression d'être moins fort, je commence à mal jouer, à avoir peur d'y aller, à tout le temps back, vous voyez. Et de jamais être embêtant. Et en fait, ça, c'est vraiment une erreur. Il faut rush les adversaires pour leur faire peur, vous voyez. Hop, pour les empêcher de jouer. Si c'est des bons joueurs et que tu les laisses jouer, forcément, ils vont te détruire. Donc, il faut vraiment que je sois plus impactant. Bam, voilà. Ok, je peux l'avoir s'il veut. J'espère qu'il... Non, il l'a pas mon mate, c'est sûr. Là, je me retrouve à 1v1. Pouah, il a pogo sur le mur pour la toucher. Ok, je cut. Allez, mon mate, open. Non, j'ai trop le seum. Allez, hop, les deux sautent. Ça, c'est bien. C'est bien de tirer sur les deux en même temps. On va essayer de bump. Ah non, du max pas but. Ok, j'ai eu peur. Hein. Là, la démo, c'était censé être but pour nous. Ah, j'ai pas réussi à récupérer assez de ressources pour pouvoir la save celle-là. My bad, je reste un peu au milieu sans prendre de boost. My bad ce but-là. Allez. Oh non. Je pense que ça va être dangereux. C'est bon, j'ai. On bloque. Allez, mon mate. Allez, mon mate. Allez, faut y aller. J'espère qu'il va récupérer le boost. Non, il l'a pas eu. Ok. On prend pas trop ce qui se passe. Il le bump. Oh, il a failli rater. Hein. Je vous jure qu'il a failli rater. Ok. Laisse-moi le boost. Va prendre la balle au moins. Si tu prends le boost. Ok. Je me fais bump. Je sais pas trop quoi faire dans cette situation. Non. Ok, j'ai réussi à la save. Allez, open. Tire. Pourquoi il tire pas? Ok, je crois que c'est but. Non. Ok, je prends leur boost. À toi, mon mate. Ok. Très bien joué. J'essaie de bump. Normalement, il l'a. Ah, j'ai pas réussi à bump. Je suis dégoûté. Ok, ça va. Mon mate marque. L'important, c'est de gêner au moins, au minimum. Allez. Si on gagne cette game, on est déjà en positif. Ce serait vraiment super. Et en plus, elle est gagnable, cette game. Ok, on se prend pas le même selling shot que dans la game d'avant. On prend le duel. Allez, mon mate. Oh, dommage, il avait tellement fait un bon fake.
Je le rush, je le rush. Ok, c'est bien. À toi. Ah, il a pas de boost. Mais le duel est excellent. On bloque. Open, 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 open. Allez, mon teammate. Let's go. Les adversaires qui pré-jump un peu trop et qui se font avoir. Let's go, on est content. Allez, on continue comme ça. Oh non. Je vois qu'il me pré-jump, donc je tire vers le bas. Je fake. Ok, j'essaie de faire un centre, mais en vrai, il va l'avoir. J'essaie de prendre le boost. Je sais pas si mon mate peut prendre la balle. Ah, c'est parfait. C'est parfait ce qu'on a fait là. On reste bien au mid. On essaye d'apporter une solution pour notre teammate. On met la pression. Et on tire. Et c'est peut-être but pour mon mate. J'ai s'il veut. Ok, j'ai cut. C'est bien. C'est bien, c'est bien pour nous. Il a pas de boost. Ah oh là là, ils ont bien contré en face. Hein. Wouah. J'ai pas de boost. Ah, ok, je peux peut-être leur récupérer le leurre, ça met de la pression. Faut qu'ils font nimp en face. Allez, je veux bump. Parfait, parfait. J'ai bien joué là, j'ai vu que mon mate avait open. Il fallait juste que je bump le gardien. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Oh, il a trop bien joué mon mate, il a mis à l'opposé, le plus à gauche possible. C'est impossible pour en face d'avoir la balle. Allez. Wow. En tout cas, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais aujourd'hui, je joue trop bien. Je sais pas ce que j'ai. J'ai commencé la journée, j'étais 1820 et là, je suis 1913. J'ai gagné presque 100 points en une journée. Je me mets très bien. Ok. GG. Allez. On va peut-être essayer de cut. Non, il va l'avoir. On prend du boost. Bien joué. J'essaye d'y aller. Non, je pense que c'est une erreur. Je vais fake, je vais l'annuler. J'espère que mon mate va l'avoir. Ouais, c'est une erreur d'avoir sauté là-dessus. Je lui laisse le boost. Oh là 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 là, mon mate, il m'a mis dans une merde. Ah là 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 là. En fait, il me prend le boost et il rend la balle. Genre, pire move à faire. Après, il a pas eu de reset, il a pas eu de chance. Il a pas eu de chance de pas avoir eu le reset. Mais c'est dommage quand même, c'est un but vraiment évitable. Ok. Oh, je rends la balle. En vrai, ils nous la rendent aussi. Ah non, dis-moi que c'est pas but. Oh, quel save. Oh là là. Je vais mettre un quel arrêt à mon mate. Oh là là. Je peux pas bump. Je me fais encore carry, hein. C'est une dinguerie. Hein. Franchement, il a été trop fort. Mon mate, il a fait le save de l'année. Hein. Incroyable. Et là, l'adversaire qui trash. Mais en vrai, c'est juste une perf énorme de mon teammate. Bah putain, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Oh non, dis-moi que c'est pas but. Pas de kick of goal, pas de kick of goal. Ok, j'ai du boost. Ah, je peux pas l'arrêter. Ah, j'étais nul. Je pouvais l'avoir en vrai, je pouvais mieux clear. D'ailleurs, désolé. Et les Français qui s'embrouillent en face. Ah, je pouvais mieux clear en vrai, j'ai pas eu de chance. Allez, on va pas la perdre cette game. Rien que pour le move de mon teammate, je dois la gagner. Mais là, en termes de kick-off, on a un peu un truc bien. Ok, il a le boost. Allez, vas-y, gagne du temps. On va juste, ouais, je joue le temps, voilà. Allez, kick-off goal pour nous. Et on est très content. Ben voilà, suffisait de demander en fait. Suffisait de demander. Let's go. On est très content. 4 secondes d'overtime et c'est un but. Et on est en positif dans cet épisode, on gardera nos 1900 MMR et on est 1923 et si on gagne la troisième game, c'est un 1930 et là ce serait beau. Ce serait beau, attendez on va regarder un peu comment ça se trash côté français, tir à gauche alors pas au milieu de la cage, bon bah je me barre donc connexion en cours, game 3 jingle, c'est parti. Ok, on est avec 4x, je connais pas, pas mal de joueurs je connais pas là dans le 1009. Ok, on va aller chercher le boost. On va voir ce que fait 4x. Ok, je contrôle. J'essaie de bump un peu. Créer la Discord. Mate. Non. Oh, je me fais soulever. Je me fais soulever littéralement. Dis-moi que c'est but.
C'est pas but, j'ai le seum. Là, c'est but. Quand on n'arrive pas à cadrer, il suffit d'enlever le gardien. Et normalement, l'open est derrière. Allez. La game qui commence bien, ça fait plaisir. Allez. Quand j'ai une bonne journée de grind comme ça, j'ai trop peur que demain, je joue pas aussi bien qu'aujourd'hui. Et que ça me porte préjudice. J'espère que je vais réussir à garder ce niveau de jeu. Parce que là, vraiment, c'est propre ce que je produis. Et mes teammates, c'est propre aussi hein, ce qu'ils produisent. Ça fait plaisir. Je fais des vrais games de 2v2 là. Je suis pas en mode 1v3. Le mode de jeu, mon mode de jeu préféré. Ok. Oh non, je suis dans la merde. Ok. Ok, je pense que c'est pas dangereux. Il va reset. Voilà, j'ai réussi à save. Je savais que son reset serait pas hyper dangereux, que ce serait pas genre dans la lucarne très fort. Oh mais c'est open là. Bah oui, c'est open tout simplement. Il suffit de prendre un duel pour marquer. Let's go. J'ai eu tellement de chat. J'ai eu tellement de chat sur ce but. Les adversaires n'ont pas été bons en vrai. Ok, vas-y Katix. Un but, un troisième but là pour conclure. Et je suis très heureux. Allez, je tente un pre-jump plafond. Voilà. Je savais qu'il avait fake. Donc j'ai pas trop utilisé mon sailing shot. Ok, je me fais cut. Je suis un peu naïf là de pas faire quelque chose pour empêcher ce cut. On va prendre des pads. Vas-y mon mate. Oui, bump le. Ah, dommage. Ça aurait été tellement bien. Ok, je pense qu'il va la revoir. Il a été très fort hein, en face. Ok, j'ai réussi à cut. Fake. Je bump si je peux. Non, j'ai pas pu bump. On va récupérer du boost. Faire gaffe parce que là, je vais sûrement me retrouver en situation de 1v1. Donc il faut se rapprocher de l'action pour les empêcher de contrôler la balle. Ah, oh, ça a pas pu être cadré malheureusement. Ce boost, c'est moi qui l'ai pris, il me semble. Il va respawn bientôt. Ah non, il respawn pas. Oh, ça va être but. J'ai attendu sur un boost et je prends un but. Oh là là, je m'en veux tellement. Enfin, tellement une erreur de ce que je viens de faire là. Je vais dire désolé. C'est vraiment tellement con ce que je viens de faire. Évitable. Je pensais vraiment que c'était moi qui avais pris le boost, mais je pense que même pas en fait. Faudrait que je revoie sur la vidéo. Ah, je peux pas marquer. Oh, si j'avais su. Si j'avais su qu'il allait faire ça. Ah, si j'avais su, je suis dégoûté. C'est but ? Ah non, c'est toujours pas but. Si j'avais encore su, j'aurais pu me marquer. Je laisse le boost parce que j'en ai déjà. Je suis trop lent là. Là, je suis trop lent. Je fais pas les bonnes choses qu'il faut. Ok, ça va. Nice. Je me suis mis au bon endroit pour contrer. Parfait. Ok, ok, allez. 2-0, enfin 3-1. On a deux buts d'avance. Il reste 2 minutes. Je suis vraiment bien parti pour le full win. Je la mets en l'air pour mon mate. Ok, je vais la mettre au mid pour mon mate. Ah, il a pas beaucoup de boost. Bon, après, il peut faire un bon move quand même sans boost. Voilà, excellent, excellent. Mes teammates sont excellents dans cet épisode. Ok, dommage. Ah, il a dit un pas de problème parce que j'ai ball chase, je crois, adversaire. Ou alors c'était vis-à-vis de son teammate, je sais pas. My bad en vrai. J'ai mis oups, mais je voulais mettre my bad. Ok, j'ai. Allez, pas un mauvais kick-off là, c'est important de pas le perdre là. Non, on peut encore se faire comeback, je pense. Genre, il suffit d'un but et d'un kick-off goal. Faudrait vraiment jouer comme si ça faisait match nul là. Vraiment empêcher les adversaires de marquer un but. Ouais, j'ai pas trop bien compris. Je bump, allez. C'est but, let's go. Je lui laisse à mon mate, je lui laisse. Voilà. Cadeau. Comme ça, il est pas énervé. Il va pas me troll ma game. Oh, ça fait plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir de retrouver du niveau, là.
J'avais un peu peur en rentrant du Portugal que je stocke 1850. Et là, putain. J'ai pas abandonné, hein. Après que j'ai eu une grosse descente aux enfers. Faut vraiment qu'elle reste, en fait, ce MMR là. J'aimerais bien qu'il reste et que je fasse pas encore une descente aux enfers. Comme au milieu de la série où j'étais 1009 et d'un coup je suis redescendu 1800. Je crois que j'étais même redescendu 1750. Là, faut réussir à garder le cap. Ok, on clear. Allez, on gagne du temps. On a le temps. C'est pas dangereux. Je bump. Et c'est même but. Let's go. Je lâche des démos depuis tout à l'heure qui mettent très bien. Et c'est gagné, mesdames et messieurs. Épisode full win à 1930 MMR. Nous sommes à 69 points de notre objectif. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver finalement notre objectif? Là, potentiellement, si on full win, full win, full win, dans 4-5 épisodes, c'est 2000 MMR. Donc, il nous reste à peu près 12 jours. 12 jours, 70 points, ça se fait, non? Je pense que ça se fait. En tout cas, on se retrouve dès demain pour la suite de la série Road to 2000 MMR. Je vais pas jouer entre les deux épisodes. Donc, on se retrouvera encore à 1932 et on va voir jusqu'où on peut s'arrêter. Merci d'avoir regardé cet épisode. C'était Gaspo. Ciao!